Salut les gens, c'est Fred. Alors, 27e épisode de notre Let's Play sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Alors, aujourd'hui, nous allons aller faire la quête principale. On va faire la reprise d'Akala, forteresse d'Akala. C'est parti, on ne perd pas de temps. Les plats, qu'est-ce que je peux faire comme plat pour capacité d'esquive? Moi, ce que je vais faire, c'est je fais toujours dégâts infligés, plus 5%. Je peux faire les autres, mais. Je regarde les causes des. Par la foudre. Ah, par la foudre, ce serait pas mal pour certains. Surtout quand il y a les sorciers électriques. Mais je vais faire des gains infligés. J'ai tendance à faire toujours ce genre de plat. Donc voilà. Allez, partir en combat. On perd pas de temps. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient à piloter leur créature divine, Prua et son équipe de chercheurs. Expert en reliques, étudiait la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaika, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume, et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaika ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaika. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ces tours avec Prua et les prodiges. Encore à étudier ces reliques. Père. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités? Eh bien... Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec Mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, Père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes, mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement, mais j'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. S'il restaure ces machins choses, Sheikah, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, Souba. C'est un ordre du Seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Je
telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement? Dans ce cas, autant continuer sur notre lancée. Allons restaurer toutes les autres tours. Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Pouwa à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ libre. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Iga les attendait de pied ferme. Bon, on va aller combattre les Igas. C'est parti. Alors, la cinématique cette fois-ci a été un peu plus longue que... Que d'habitude, on va partir en même temps à la bataille, comme ça on discute en même temps. Reprise d'Akala. Et ouais, le père de Zelda, on dirait pas comme ça, mais il est plutôt strict avec elle. Y a pas de temps, non, y a pas de temps, ça va. Par rapport à ce qu'on a vu au début de... Au début de Breath of the Wild, quand... Bah, c'est lui qui nous donne la paravoile, qui nous donne les instructions, un peu l'histoire aussi de ce qui s'était passé 100 ans avant, parce qu'il avait perdu la mémoire, Link. Ah ouais, je crois que... Ouais, et les gardiens... Cette zone a été machin. J'ai pas eu le temps de dire. Ici, nous activons un gardien pour dégager la voie grâce au pouvoir... Ah, d'accord. C'est parti. Allez, petit gardien, fais un peu ton job. Par contre, toi, tu dégages. Donc, il faut aller de ce côté là-bas. Il y a un officier Igas, par contre. Oui, c'est juste. On va faire un petit coup de bombe. Par contre, je crois que j'ai oublié de faire en off... comment dire... l'amélioration de mes armes. Donc j'espère que ça va aller. Pour ce... Par contre, moi je suis pas d'accord. Quoi. Alors comme j'avais dit dans une précédente vidéo, là je vais faire la quête principale. Hop, on va le tuer. Je vais faire la quête principale et puis après je vais faire peut-être une ou deux ensuite de quêtes de missions secondaires. Pour amélioration. Par contre les améliorations de ce qui est... Tiens, il y a Michel qui était là-bas. Urbosa. Les améliorations, le forgeron, tout ce qui est récupération de rubis et de matériaux, je les ferai en off. Par contre. Et tout ce qui est les combats inédits et la mission principale, bah, je les ferai en vidéo, bien sûr. Allez, on récupère des rubis, c'est pas mal. Par contre, comment on fait ? C'est ça? Attendez, j'ai même pas regardé la carte en fait. On va regarder la carte. Non, je suis un peu trop bas. Et on va aller pas. C'est plus par là. Ah, il y a encore un officier, yes. J'ai
pas réussi à le figer. Bon, par contre, voilà, on va pas se faire s'embêter. Voilà, succès. Fallait d'abord tuer les Higas. Et ensuite, je pense qu'on peut aller. Voilà. Ok, merci. Ensuite, je regarde. Ouais, c'est par là. Ah, il y a tout le monde qui part. Allez, Bokobi. On va essayer de récupérer en même temps des petits certificats, parce que c'est vrai que ça aussi, des fois, c'est utile pour. C'est bien utile pour nos petites quêtes secondaires. Voilà, dégage-toi. On va faire un petit coup de bombe comme ça, comme ça on dégage le maximum de Bokobin. On fait good boss, ça m'est très utile. On fait une petite caisse par là. Oh tiens, il y a quoi là-bas? Oh bah. C'est par là justement que j'aille, je crois. Ouais, c'est ça. Oh, c'est. Ah oui, bah oui, c'est le. C'est la tour qu'on doit. Hop, le petit rubis bleu, ça c'est bien. Qui va lui. Oh là, toi, je crois que je t'ai pas vu, toi. Elle valent 5 rubis. Les bleus. 5 ou 20, je sais plus. Non, les 20, c'est les rubis rouges. Oh, ils sont pas. Soit c'est mon arme qui est truc, ou soit c'est. Toi aussi, dégage. Hop. Alors, c'est ça qu'on doit faire, non? Non, on doit d'abord aller là-bas. Ok. Allez. On go. Je pense qu'il faut que je les tue un certain nombre pour pouvoir passer. Par contre, on va. Oh là. Ah, vous savez quoi? Je vais faire le A. Hop, allez. On va tout dégommer. Voilà. À tous. Pratiquement, tous ceux qui étaient à proximité en tout cas. À qui je peux jouer? Avec Mifa. Avec Mifa. Mifa, est-ce que tu veux que je. Ouais, je vais utiliser Mifa pour une fois. Ok, enfin, attendez, on va changer de perso. On va jouer un petit peu avec les autres, hein. Link est toujours en train de combattre et il gagne pas mal de trucs d'expérience et tout ça, donc il élève son niveau plus facilement que les autres, parce que je joue pratiquement toujours avec lui. Par contre, Mifa, tu vas aller plutôt par là. Par là. Activé. Bon, en fait, j'y étais. Voilà. Donc, on active le deuxième gardien. Gros gardien. Allez. T'as trop donné. Ok. Donc. La bouée libre, présent en avant, continuons. Donc, on continue. C'est vrai qu'en plus ils ont beaucoup moins de cœur de que. Voilà, tiens. Il prend beaucoup moins de dégâts que si ça avait été Link. Ouais bah oui, t'as le choix. Par contre j'ai remarqué elle a deux barres d'énergie maintenant. C'est elle qui a deux barres d'énergie de plus. J'ai pas fait gaffe si les autres ils les avaient aussi. Link il en a toujours qu'une. Ou alors j'ai pas fait attention. Ah, je me suis trompé. Je voulais faire, mais. Aïe, 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 quand même, il m'a quand même eu. Waouh, 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 par contre, Coco. Hop. Allez, Mifa. Oh, j'adore. J'adore.
Bon, on va récupérer les... Donc ensuite, on doit aller où? Par là, non? Oh, d'accord. Bon, alors, attendez. Par contre, là, on va faire plutôt... Je regarde si on peut passer. Mifa, tu vas aller là. Ok. Ensuite, Zelda, toi, tu vas quand même combattre un petit peu. Tu vas aller là. Et moi, je vais utiliser Link. Link, allez. Toi, tu vas aller... Ouais, je vais aller au plus près. Ah, quoique. Non, je vais faire autrement. Parce que c'est vrai que... Zelda, toi... Alors, Zelda, toi, tu vas aller... est-ce que tu peux aller là? Ouais. Et Mifa, par contre, toi, tu vas aller tout au bout. Parce que c'est vraiment loin le temps que je fasse tous les trucs. Je pense que tu seras déjà arrivé. Donc ce sera plus simple de faire ça comme ça. Donc voilà. Et moi, je vais aller tout en haut. Qui est pas très loin. Donc, enfin, tout en haut. Celui qui est en haut à gauche. Qui est par là. Et je pense que j'aurais dû faire aussi... Je sais plus si... Wow, par contre, toi, mon coco... Donc moi je ferai, avec Link, je ferai sûrement tous ceux qui sont en haut. Si je me suis pas trompé, bien sûr. Putain, il a tout dégommé. Y, ouvrir, ok. Et normalement je peux l'ouvrir. Voilà, c'est ça, activer. Activer, merci. Je ferai tous les deux qui sont en haut et puis les autres comme... Oh, quoique Zelda est en train de se diriger vers... Ouais, bah je vais utiliser Zelda et puis... Ouais, c'est ça. Alors, on va faire Zelda. Voilà. Et toi... Non, c'est pas ça, pardon. Link, toi, tu vas aller... Donc... Et ici, avec un moblin bleu. C'est bon? Voilà. Ok. C'est bon. Allez. Par contre, il est où l'ennemi principal? L'objectif, comme on dit. Il est par là, il est par là... Je le vois pas du tout. Il est plus par là, non? Ah, il est par là. Non? Du tout. La carte, elle m'énerve. Ce serait plus le... Ouais, ce serait plus... Au fond, là-bas. Bouger. Ah, je suis en train de faire demi-tour, là. Ah, c'est par là? Bah alors? Ah oui, d'accord, il est là-bas, je l'ai vu. Allez, on essaie d'enlever. Il est où? Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'il peut se téléporter, lui. Par contre, parce que c'est pas mal de. Voilà, il est là. Hop! On enlève un petit peu sa défense, là, et on va tambouriner comme un malade. Oui, mais dessus, Zelda, s'il te plaît. Voilà, bah oui. Bon, allez, hop. Oh putain, j'ai... Oui, mais non, Zelda, c'était... il est derrière toi. Tu fais n'importe quoi. Hein. Bon, c'est pas grave, il va être KO, là. Hop. Ça, c'est fait. On va récupérer d'abord les petits coffres, heureusement qu'il n'y a pas de... Hop, nickel. Mais non, mais tu te mets devant et tu appuies sur Y, merci. Non? Ah bah voilà. Donc ça c'est fait, donc maintenant... Link, t'es où toi? Par rapport aux autres. Mais t'es sérieux Link, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Link. Ah ouais d'accord, il faut qu'il fasse tout le tour en fait et il doit aller finalement. D'accord, bon bah Link, tu sais ce quoi, tu vas continuer à faire ton...
ton petit trajet. Et moi, je vais m'occuper. Ouais, c'est ça, elle a deux barres en fait. Hein. Elle a deux barres de. Ouais, mais ah, c'est pour elle, c'est régénération. Hein. Je dis une connerie. Bon, attends, on va tester hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, hein. Elle, c'est pour se régénérer. Ah, elle prend l'énergie de. Oh, je viens de comprendre. En fait, elle prend l'énergie de l'ennemi. Ça, c'est bien ça. Allez, dernier coup. Allez, on finit. Voilà, bon, ça c'est fait. Il est où le... Il est là. On récupère ça d'abord. Hop, ensuite, on fait... Ah non, il y en a encore un. D'accord, je l'avais pas vu. J'ai cru que je l'avais... Allez, on fait un petit coup... Ah, encore. Là, c'est bien qu'ils mettent de bord, en fait. Par contre, il faut arriver à les remplir. Hein. Hop. J'ai gagné. Hop. Ensuite, on va... Attends, je vais voir s'il y a des trucs là-dedans. Non, on peut pas. Allez, on active. Et normalement, Link, il devrait pas tarder à y être. Bah, il y est déjà. Hop, Link. KO. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est de viser plutôt l'ennemi principal. Ils sont là-bas. Il y en a deux aussi. Oh, wow, par contre, je suis pas d'accord. Ah, et ouais, c'est ça, Link, il en a qu'une seule de barre. Alors, je sais pas si... Les autres prodiges, ils ont aussi récupéré. Ah, oui, d'accord, toi t'es. Allez, récupère ton énergie et tu tapes. Hop. Ah, les deux en même temps. Non ? Ah non, un seul, quand même. Hop. Un petit coup de point faible. Nickel. T'en as au moins un qui est machin. Et deux, les deux. Attends, on va récupérer le coffre. Voilà. Par contre, les mobines, c'est pas que vous êtes, hein, mais bon, il est là. Allez. Non, on peut plus, on peut pas. Pas toi encore. Ah bah non, oh là là. Et ils se cachent aussi les gens. Allez, on l'achève. Et là, c'est bon. Tu es incroyable, Link, la prochaine fois c'est mon tour. Tu me regarderas, dit. Hop. On active. Vous avez réussi à activer le fondeau antique. On a réussi, cela devrait suffire pour activer le gardien dans la forteresse. Ok. Bon, ensuite. Alors, il faut y aller. Hein. Par contre, on doit vraiment faire le tour. Ah, vache. Heureusement qu'il n'y a pas de temps, sinon... Ça va te permettre de dégommer un petit peu de monde. Ça va faire des points en plus et des rubis en plus. Normalement. Et puis on récupère aussi des... Alors, je suis où, moi? Par contre, ouais. C'est par là. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais... Quel abruti. Ah, bon, j'ai récupéré une fleur. C'est par là. Par contre, là, je fonce, hein. Je dégomme ceux qui sont machin, mais les gros. Donc. Je suis en train de regarder. Je vais regarder la carte, vite fait. Je crois qu'en fait, je peux pas passer par là du tout. Hein. Faut vraiment que je passe par derrière. Hein. Ouais. Je crois qu'il va falloir que. Que je passe par l'arrière parce que je pense pas qu'on puisse. Ouais, il faut faire le tour. Donc c'était bien par là. On va passer par là.
Je vais taper un petit peu des joints comme ça va me permettre d'avoir ma barre. Ma barre jaune un peu plus remplie. Par contre, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Regarde ta carte. Un petit peu. Donc, c'est par là. C'est par là. C'est par là, c'est par là. Et plutôt par là. Voilà, c'est ça. Oui, donc je vais essayer de taper un petit peu du méchant. Pour essayer de récupérer un petit peu plus de barres jaunes. Parce que ça se récupère. Je pense que ça se récupère uniquement quand. En combat. Elle ne monte pas directement. Non, par contre. C'est par là. On va y arriver, on va y arriver. Oh, je suis en train de réfléchir à un truc là. Ça m'arrive. là, on est toujours à pattes. Est-ce qu'on a un moment on aura possibilité d'utiliser Epona? Ce serait pas mal ça. On ira beaucoup plus vite déjà. Ouais, mais en combat, ça va être un peu compliqué quoi. Alors, de toute façon, Epona, on peut l'avoir uniquement. Alors, on va récupérer des trucs quand même en même temps. Peut-être qu'on tombera peut-être aussi sur un Korogu. Alors, le Korogu, je sais plus du tout. Je regarde si c'est dans quoi qu'on peut voir le nombre de Korogu qu'on a déjà récupéré. Alors, les Korogu, je les récupère surtout en off. Quand je refais les. Bah, ceux que j'ai déjà fait, les niveaux que j'ai déjà fait. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai récupéré. Que j'ai récupéré pendant un truc comme ça. Allez, là on va traverser un pont. Généralement ils sont cachés dans ce genre de. Bon bref, c'est pas le. Voilà, ça dégage. La barre. Voilà, la barre est remplie. En espérant que j'appuie pas encore une fois sur le A pour rien. Et Yigas, les retours des Yigas. Hop, on dégage. On est bientôt. Ah, par contre, non. Ce serait plus. Ah, bah voilà, il suffisait de le dire pour que je le fasse. Misère. Oh, fiche. J'ai le doigt qui appuie sur le truc là. C'est pas par là du tout. Hein. Bon, alors attendez. Je regarde bien. Là, c'est. Faut monter. Faut monter par là. Voilà. Hop, je pense que c'est aussi par là qu'on peut. Ouais, nickel. Hop. Par contre, je vais lancer des bombes. Voilà. Ah ouais, t'es sérieux toi? Tu me prends par derrière. Hop. Dégage. Ah, ça va. Là, ma barre remonte vite fait. Mais bon. J'essaie de. D'éviter de. Bon, c'est là. Bon, comment fait-on? D'accord. Ouais, il s'active, mais à mon avis, lui, il va falloir le battre. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que lui. Ou pas. Non? Oui? Peut-être? Non. Non, ça va. Donc. Succès. Ah, c'est nickel! Alors, au point des choses, on dirait que je vais devoir régler ça moi-même. Ah, bah, Supa. Où es-tu? T'es pas loin. Par là? Non. Par là. De ce côté, voilà. Ah oui, mais il suffit. En fait, il suffit de suivre les autres, hein. La chauve-souris, c'est pas que. Il m'a même pas vu, en fait. On va faire un petit coup de. Ah, tout de suite. Voilà, cette fois, c'est utile. Et t'as fait dans le bon sens aussi. Est-ce que j'utilise les autres? Ah, tiens, on va utiliser. Puis on va utiliser le. Hop. Oh, 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 oh. Ah. Voilà. On va lui enlever un petit peu de.
Oh bah on lui a mis jusqu'à la moitié. Par contre. Oui mais. Mais. Elle vise à côté là. Ah d'accord, ok c'est barré. Il est parti où? Par là? Je le vois pas. Je ne vois pas du tout où qu'il est. Oh. En fait, il y a un étage. Je viens de voir. Là, hop, hop, hop. D'accord, d'accord. Ouais, mais je vois pas du tout qui peut être là. Urbosa va par là. Je vais suivre Urbosa. Parce qu'à mon avis, elle doit savoir où qu'il est. Enfin, j'espère. Dommage qu'on peut pas l'utiliser Urbosa pour celui-là. Pour ce combat-là. Ouais, c'est par là, je pense. Hein. Oh, j'adore ces coups. Hein. Allez, mes cocos, par contre, vous. On est dans quelle salle là? C'est une salle. On va récupérer un petit peu de. Ah, je crois qu'il est là, non? Non, il est pas là. Ah, Derby. Derby, Derby, Derby. Ah, merci. Urbosa, t'es où? T'es toujours avec moi. Hein. Ah, je vais changer de personnage, ça se fout. Link ou Zelda. Oh là. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il fait là, lui, le Linel? Ah, mais le Linel avec Zelda. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, Link, ce sera peut-être mieux. Hein. Ce sera peut-être mieux. Par contre, est-ce que c'était prévu qu'il soit là, lui? Je suis pas sûr. Hein. Ouais, mais hey, calme-toi, le Linel. T'es gentil, mais. En tout cas, il est. Je trouve que les Linel dans celui-là, ils sont moins. Ils sont moins costauds que dans celui de Breath of the Wild. Hein. Surtout les Linel argentés, les Linel blancs argentés. Bon, ça va. Il y a encore un peu. Pas mal. Waouh. Par contre, il m'a défoncé, là. Ah bah j'ai récupéré des cœurs. Bah c'est bien. Je sais pas pourquoi. Mais... C'est bien. Voilà. Mais est-ce que en fait, je suis en train de me poser la question de savoir ce... Parce qu'il y a Zelda qui se bat en même temps. Est-ce qu'elle enlève en même temps? Ou c'est il y a que moi qui enlève du... d'énergie aux ennemis? Quand on se bat en même temps, tu vois. Voilà, hop, 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 hop. Ah, je suis en train de les défoncer. Des rubis, merci. On va prendre quelques rubis, le temps qu'ils... Hop, oh, allez, on refige, allez, on défonce. Un petit peu, comme ça, voilà. Par contre... Wow, 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 wow. Ouais, parce que là, ça va, il me donne des coups, mais je prends pas trop de dégâts. Ça aurait été sur les Breath of the Wild, deux coups, c'est game over, quoi. Ouais, mais c'est pas eux que je voulais figer. Ah, ah, fallait que j'utilise... Bah, attendez, je vais faire un petit coup. Ah. On va essayer de le... Oh oui, ça va le... Voilà, KO. Bon, ça c'est fait. C'était pas prévu, j'avais pas prévu ça. Alors, on prévoit pas parce que... Alors, normalement, c'est fait. Alors, où es-tu, toi, Soupa, t'es où, toi? T'es par là?
Zelda, allez, tu vas par où toi? Tu vas par là? Attendez, je vais changer pour voir. Ah, d'accord, il y a un ennemi là. Enfin, je crois. Je sais pas parce qu'en fait, y a là, il y a la barre. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, d'accord. Allez, allez, hop. Bon, j'ai pas besoin de récupérer de cœur, mais ça va. On peut en lui enlever à lui. Voilà. Ça l'a achevé, carrément. Ok, ensuite, il faut aller par où? Ah, il y a des sorciers, j'aime pas. On voit qu'il y a des sorciers dans le coin. Guide-moi, Urbosa. Dis-moi où qu'il faut aller. Par là? Il n'y a plus personne pour l'instant. Normalement, ici, il y avait Zelda et Link, je crois. Je crois que c'était dans cette salle. Oh, quoique. Hop, on récupère quelques trucs. Alors là, on va à l'étage. Donc là, on va à l'étage et de la carte. Et dans la carte, on... Ok. Allez, allez, les soldats, là. Vous avez plus rien à faire, là. C'est que des... Alors, est-ce que c'est par là, normalement? Hop! Par contre, si je prends pas la porte, ça va pas le faire. Ah, voilà. On est dans un nouvel truc à dégommer. Le rubis quand même. Ah bah le voilà. D'accord, il fallait vraiment tout dégommer pour qu'il revienne. Non non non, finalement c'est rien, rien du tout, c'est toi qui va. Voilà, plein dans la tronche. Voilà, on a vu ça, un petit peu sa défense. Voilà. Ouais, mais... Est-ce qu'il perd des trucs là? Je vois pas sa barre baisser. C'est moi ou c'est moi? Un petit peu quand même, hein. Bon les amis, je vais changer de perso. Zelda elle a un peu plus de cœur. Voilà, on va essayer de le foutre le maximum de coups dans la tronche. Voilà. Waouh. On refait ça. Ça baisse pas sa barre. Hein. Pour vraiment qu'il soit... Ouais, d'accord. Là, il faut utiliser les bombes. Oh, Zelda, tu vas où là? T'es où? Pas beaucoup. Hein. C'est pas évident. Bon, allez, on va prendre Link. Link est un peu plus... Ouais mais c'est bien de faire des trucs comme ça, mais ça sert à rien que si tu vises à côté. Hein. Il est un peu plus coriace, hein. Non? Non, je l'ai battu. Je l'ai battu ou c'est barré? Ouais, c'est barré. D'accord. C'est quoi ça? Oh, des bananes! Oh, il y a plein de bananes! Comment on fait pour avoir les bananes? Je veux les bananes! Donnez-moi les bananes! Bon, alors, par où t'es parti toi? Pourquoi il bouge plus? Ah, là, il y en a des bananes. Non? On peut pas les récupérer? Oh, dommage. Ah, d'accord. Oh!
Oh, j'ai eu peur en fait, j'ai cru que c'était des... J'ai cru que c'était des sorciers. Oh, par contre, il donne pas mal de... Encore de rubis. Oh, du rubis dans ce niveau-là. Les bananes, il y a plein de bananes partout. Ça c'est quoi? C'est des... les alphos normaux ou c'est des... les alphos de... électriques? Électriques, hein. Avec leur, leur corne bleue. Vous dégagez. Normalement, je crois qu'il faut aller en haut. Continuer à monter. Par là. J'ai entendu un. C'est bien ce que je pensais. Il est plus. Link, il est plus adroit avec les bombes pour viser lui. Ah, elle est. Fais pas. M'énerve pas. Bon, on l'a toujours pas battu par contre. Hein. Ça va pas, ça va le faire, ça va le faire plutôt. Soyons positifs. Il est où par contre? Ouais, c'est ça, il faut faire la bombe. Ouais, mais. Dégagez-vous. Allez, on enlève un petit peu sa défense. Il est plus coriace que la dernière fois. Hein. En plus, il est... Ah bah voilà! Cette fois, on l'a eu. Cette fois, c'est un vrai succès, non? Oh, bah le coffre, je sais pas où il est parti. Qualité de mule, ma parole. Enfin, on va pouvoir restaurer cette tour maintenant. Bah allons-y! C'est la dernière, espérons que ces tours ne sont utiles contre le fléau. Hop, et voilà, reprise d'Akala, victoire. Bon, je pense que c'était pas mal, c'était pas trop difficile. Je me suis pas mal débrouillé aussi au niveau de la carte, je me suis pas trop trompé de sens. Et voilà, ça a été pour battre le Supa. Par contre, il était un peu plus coriace que la dernière fois, en plus il se barrait, fallait le retrouver, il y avait un Linel. Donc voilà, on a gagné pas mal de rubis, 846 rubis quand même. Ouais, une grange d'armes, ouais, super. On a gagné ça, faudra que je fasse pour le prochain épisode des trucs pour les armes, mais par contre ça prend pas mal de rubis, c'est ça qui... On a gagné ça. Au fur et à mesure, il y a beaucoup de rubis qui sont dépensés pour le forgeron. Enfin, je verrai. Victoire, on a reçu une nouvelle recette. Et sûrement qu'on va débloquer. Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Pourquoi? As-tu découvert quelque chose? Je vois. En connectant la tablette chez... Votre Altesse, on dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Au moyen du terminal, la tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement! Bon, plutôt qu'une longue explication, le mieux est peut-être de passer à la pratique. Ah là là, même le petit gardien, il se dit, mais c'est qui celle-là? De quoi elle nous parle? Donc voilà, donc on a continué un petit peu la mission principale. Là on va retourner sur la carte, on va voir si on a débloqué quelques nouvelles missions, des missions de combat ou des missions pour récupérer des... Donc voyez, ouais. Il y a des combats. Ah, il y a des trucs Korogu sûrement pour
Oh, ben dis donc. On va bien s'amuser pour les prochains épisodes, dis donc. Oh, ben, misère. Tout ça? Oh. Ouais, je pense que tout ça, si on arrive à les faire, ça va prendre au moins deux épisodes. Alors, le prochain rendez-vous, mission principale, ce sera éradication du gang des Yas. Donc, on sera au niveau du désert Gerudo. Donc voilà, je ferai pour le prochain, ben, je ferai des petites mises à jour dans les quêtes secondaires et je ferai un off des le forgeron et je fermerai pas mal de matériaux, de certificats et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Link dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour suivre les aventures. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens!